Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ici deux en un. On va voir d'un côté une voiture, ou plutôt un beau petit mode au niveau voiture, et d'un autre côté un beau petit mode au niveau circuit. Alors ici en premier temps, vous voyez déjà un peu en fond d'écran, on va voir ici c'est le Caterham Motorsport Academy Championship 2017, vraiment super bien fait, vraiment très 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 bonne qualité au niveau finition et ça, vous allez voir, j'ai fait une chouette petite vidéo là-dessus, et naturellement bon, ce sont pas des voitures super puissantes mais c'est super fun, on parle un peu plus de 500 kilos avec 125 chevaux, donc poids puissant. Vraiment, ces voitures sont pas très lourdes, mais ça punch bien. Il y a du power dans ces voitures-là. Donc ça, c'est vraiment super, super. Vraiment, je vous mettrai de façon, comme d'habitude, les liens dans le descriptif de la vidéo. Et naturellement, d'un autre côté, nous allons voir ici également un tracé. C'est un tracé que vous connaissez, mais c'est le tracé de Road Atlanta, mais c'est la dernière version. C'est la version 1.3. C'est la version 2018. Je peux vous dire, en tout cas, qualitativement, vraiment super boulot qui a été effectué. Vraiment des détails. On va directement regarder ça chez nos amis, comme d'habitude. Vous en doutez déjà, c'est nos amis de Race Département. Donc vous avez ici en premier temps ce fameux pack de voitures Caterham Motorsport Academy Championship 2017. Vraiment super travail. Encore je tiens à remercier comme d'habitude les modeurs. Vraiment assez tôt. Vraiment de nouveau on est toujours super bien gâtés. Point important. Vous avez ici donc le téléchargement de la voiture. La voiture comporte en deux versions, la version pilotage à gauche et pilotage à droite. Et vous avez ici les skins. On va voir ça tout de suite dans Content Manager. Vous allez devoir télécharger ici skin package pour les Caterham Academy 2017. Donc n'oubliez pas de télécharger les skins, sinon vous n'avez que deux skins. Vous allez voir, il y a une panoplie de beaux skins dans Content Manager. Et naturellement, concernant Road Atlanta, c'est la version 1.3. De nouveau, version 2018, super travail qui a été effectué. Il y a eu encore des améliorations au niveau texture, gazon, vibreur, etc. Quand vous voyez les graphiques, vraiment super bien travaillé, vraiment top de top. Vraiment de nouveau, félicitations aux modeurs. Et quand vous voyez les commentaires, c'est vraiment l'éloge, c'est 5 étoiles, c'est vraiment top de top. Donc de nouveau ici, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Nous allons voir ici dans Content Manager, ben voilà, vous voyez vraiment, il y a des skins vraiment super, vraiment, il y a moyen de faire des chouettes petits championnats ou des open avec ça, franchement, c'est vraiment super chouette, super fun à conduire, vous allez voir ça dans la vidéo. Et comme je vous ai indiqué, vous avez ici donc la conduite à gauche qui se représente par LHD et vous avez la conduite à droite qui se représente par RHD. Alors, lorsque vous avez téléchargé les voitures, comment introduire les skins? Très simple, je vais vous montrer ça directement. Donc vous avez ici l'exemple, quand vous avez donc téléchargé les voitures, vous allez avoir Caterham Academy LHD et Caterham Academy RHD. Vous mettez ça dans votre dossier Assetto Content Car. Les skins, très simple, vous allez simplement dans LHD. Vous allez dans Skin et vous collez simplement les skins ici dedans. Vous pouvez coller les skins aussi bien pour la version côté gauche que pour la version côté droite. C'est ce que moi j'ai fait. Lorsqu'on va voir sur le RHD, vous allez sur Skin et vous voyez ici donc les skins. Donc ils seront identiques. Et à ce moment-là, vous allez avoir les skins pour aussi bien la version du côté gauche que la version du côté droit. Et c'est ce que nous voyons ici. Et comme ça vous donne directement une idée de nouveau la qualité des skins, mais également le super boulot qui a été effectué. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant la présentation ici, aussi bien pour la voiture. Donc c'est Caterham Academy 2017 RHD ou LHD et naturellement avec le circuit la version 2018 de Road Atlanta. Et nous on va se retrouver dans quelques instants donc sur la piste, on va faire 3 tours sur ce nouveau tracé, en tout cas ce update de Road Atlanta 2018. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser dans le commentaire. Laissez aussi votre commentaire ou votre avis concernant ce pack, aussi bien voiture que circuit. Laissez un petit message dans le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et naturellement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Quant à nous, on se retrouve prochainement et je vous souhaite un bon visionnage sur cette course avec la Caterham Academy 2017 sur le circuit de Road Atlanta. A bientôt, ciao ciao!
Ouais les amis, on se retrouve ici donc pour la présentation donc d'un côté Road Atlanta version 2018, donc version 1.3, et naturellement cette découverte de cette voiture, donc c'est la Caterham Academy 2017. Donc on prend ici la version pilotage à gauche, on est parti sur 3 tours et vous allez découvrir vraiment deux packs aussi bien voiture que circuit, vraiment top top qualité, ça peut être vraiment super fun. Allez c'est parti sur 3 tours, on va essayer de faire quelque chose de propre. Et avec la caméra dynamique, pour un peu, on peut un peu dynamiser la vidéo. Ah, je me méfie là, ce virage. Essayer de remonter un peu, mais je veux pas prendre des risques. C'est pas des voitures puissantes, hein. On passe 125 chevaux, mais c'est l'immersion. Vous avez sensation de vitesse puisque vous êtes quand même fort en bas et à l'extérieur. Les skins en tout cas superbes, hein. Il y a un superbe skin de qualité. Oh. Je la sentais partir, j'ai pas de setup. Je trouve qu'elles sont assez maniables sans setup. Bon, elles sont un peu joueuses, ce qui est normal. Mais il y a moyen de peaufiner un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez correct. Il faut bien aller dans le rupteur avec ces voitures. Ça monte pas plus de 200, hein. Vous êtes à 180 ou 190 maximum, ça va un peu descendre ici. Il n'y a que 5 vitesses. Là, à côté de moi, là, ça j'aime pas. Alors, on monte un peu. Ah, c'est vraiment bien foutu ici, la montée ici. Vraiment très immersif ce circuit, j'adore moi. Allez, 10e place. Sent très bien le retour de force. Sent bien le grip des pneus aussi. Vraiment rien à dire. Hein. Vraiment tracé, vraiment super bien détaillé. Fun cette voiture, vraiment je dis il faut pas toujours prendre des voitures puissantes pour avoir du fun. Si c'est beaucoup le pilotage qui va compter et la concentration, puisque c'est quand même les voitures. Alors on va un peu essayer de coller ici. Ça va descendre un peu. Ah, je me méfie de celui-là à droite là. Il m'a l'air un peu hésitant dans sa conduite. Allez, avance. Arriver. Ah, quand vous prenez les vibreurs, vous voyez vraiment la caisse bouger dans tous les sens. Suspension assez souple.
On va essayer de dépasser celui-là parce qu'il commence à me gonfler. Reste sur ta ligne. Allez, go go. Il arrive à me rattraper, l'enfoiré. Pourquoi il freine là, lui, là? Voilà. Voilà. Oh là là, franchement, superbe. Hein, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. On va se retaper juste ici le ralenti pour la conclusion. Voilà. Voilà, en tout cas, super pack. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment, aussi bien la voiture que le circuit de Road Atlanta. Franchement dit, vraiment du fun, du plaisir. Je vais juste un peu avancer le ralenti. Voilà, comme ça, vous voyez le ralenti. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Et naturellement, laissez vos commentaires dans la vidéo pour ainsi donner votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez aussi bien de la voiture que du circuit. À bientôt, ciao ciao.